monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo que j'attendais vous faire, mais en fait je me rends compte que si j'attends ce que je voulais avoir, bon voilà quoi, je pourrais pas trop vous présenter. Enfin, j'espère que vous m'avez comprise, mais normalement je devrais avoir d'autres choses que ce que j'ai, mais là du coup vu que je suis trop impatiente de faire cette vidéo, pour l'instant je vais vous faire la vidéo que de ce que je sais, que ce que j'ai. Donc c'est parti. Donc nous allons commencer par les justos. Donc j'en ai deux. Donc celui-là, attendez, je le ferme. C'est les juste, c'est mon justo de du club. Donc il est blanc et rose fuchsia, mais quand vous allez au soleil, il fait rouge. Donc rose brillant et rouge, et un espèce de gris marron, gris blanc pailleté. Donc en fait il se ferme avec des espèces de petites attaches. J'espère, attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc c'est des petites attaches comme ça, et vous essayez de mettre le truc dedans. Donc voilà, voilà. Par contre, quelquefois, ça prend un peu de temps. Voilà pour le premier truc. Ensuite, le deuxième juste au corps qui devient un peu petit. C'est bah, le basique de Decathlon. Hein. C'est un rose comme ça, avec des paillettes dorées et noires. Et sur le côté, un peu des petites paillettes noires. Et le signe d'Omios. Donc voilà. Donc par contre, quelques trucs, je pourrais pas trop vous dire le prix. Donc ensuite, on passe au t-shirt. Donc j'en ai que un. Avant, quand j'ai fait ma première année de gym, enfin le début, j'étais avec un short jaune et un débardeur basique. Mais là, on en a pris un. Donc il est comme ceci. Toujours Decathlon. Donc il y avait un rose, mais j'ai dit ouf, il était vraiment, c'était un rose un peu c'était un rose flou avec des traits comme ça, mais je préférais en noir pour rester un peu dans le sobre et que ça aille plus avec mes juste au corps et tout. Tac. Donc la seule chose que je pourrais, et je pense pas vous montrer, c'est ma brassière, parce qu'elle est à laver et je l'ai utilisée hier à la gym. Ensuite, on passe au bas. Donc, j'ai un short comme ça, d'Omios. Encore, donc c'est le signe d'Omios avec des strass. Voilà, comme ça. Donc, c'est un noir basique. Hein. Donc, il y en a des bleus et des roses. Et je crois que je prendrai ces deux. Et aussi, peut-être un long pour les barres, pour éviter que ça me brûle les barres de bois. Que ça m'est souvent arrivé. Et ensuite, le dernier bas, c'est mon legging Puma, toujours qu'on a pris à Decathlon. Donc je trouve qu'il est très très beau. Enfin voilà, il est un peu blanc, gris, noir. Et là, il y a le signe Puma. Donc voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ensuite, je vais vous montrer les paires de chaussures que je prends tout le temps pour aller à la gym. Donc là, vu que quand je vais à la gym, il pleut pas, pour l'instant, je mets que les claquettes. Donc je prends cette claquette, je mets ces claquettes-là. Et mes claquettes comme ça. Mais je trouve que ça, peut-être pas dû vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris, ma mère m'avait pris pendant que j'étais à l'école, une gourde à 1 € à Jiffy. Elle est rose. Il y en avait en bleu, mais elle a bien fait de le prendre en rose. Ensuite, j'ai mon élastique que je prends tout le temps et que je mets tout le temps d'ailleurs sur moi. Et ensuite, le plus basique, donc j'aurai aussi un sac. C'est mon sac que ma voisine m'a donné. Donc il est comme ceci.
Moi, je le prends que si j'ai pas le temps de le préparer chez moi. Du coup, je le prends et je mets les affaires dedans. Donc, il est assez grand à l'intérieur. Il a une poche là. Une poche là. Et c'est des assez grandes poches. Et puis, je viens de retrouver une paire de chaussettes. Bravo, Cassie. Donc voilà. Donc moi, en fait, je prends pas trop. Je n'ai pas besoin de manique pour l'instant parce que je n'ai pas souvent de steak. Vu qu'on fait pas souvent les bars. Donc j'ai pas forcément besoin de poignées aussi. Mais par contre, on va bientôt aller me prendre les trucs pour les poignets parce que j'ai des problèmes aux poignets quand je fais les ponts. Enfin, tout ce qui est un peu souplesse. Et flip parce que quand je vais et que je comment dire et que mes mains sont beaucoup en appui, enfin ça me fait mal un petit peu. Donc voilà, en parapharmacie ou en pharmacie. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez des gros pouces bleus. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!